Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue au CCO pour cette nouvelle séance de questions publiques qui, avec Christine Barre, et qui est consacrée aux figures du féminisme. Alors, cette séance est un peu spéciale, entre guillemets, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du off du festival Le Printemps des Fameuses, dont la cheville ouvrière Éric Varin, directeur du CCO, est là, à la tribune, et il nous en dira un mot tout à l'heure, en même temps qu'on va poser des questions à Christine Barre. Et donc, Printemps des Fameuses, qui a débuté il y a maintenant 4 jours, lancement officiel, Éric, et qui se prolonge jusqu'au 22 mars. Effectivement, oui, on peut même dire qu'il a commencé le 1er mars avec une première réunion un peu fondatrice avec des réseaux de femmes d'entreprises. Mais le coup de gong officiel, effectivement, c'est le 7 mars dernier, ici même, avec une journée entière consacrée à l'égalité femmes-hommes dans le milieu de la culture, à l'initiative de la DRAC des Pays de la Loire. Et donc on a passé une journée complète sur ce sujet ici. Et donc le Printemps des Fameux s'achèvera le 22 mars à 18h. Très bien, merci. Bah, tu nous en diras un mot peut-être plus en détail tout à l'heure. Alors ce soir, donc, nous recevons Christine Barre, qui est professeure en histoire contemporaine à l'Université d'Angers. Vous êtes membre du Centre de recherche historique de l'Ouest et présidente de l'Association des archives du féminisme, dont vous allez très certainement nous dire un mot. Et vous êtes la directrice du Dictionnaire des féministes en France, qui se consacre sur la période du 18e au 21e, paru aux Presses universitaires de France. Alors, c'est un livre qui fait son poids. Vous l'avez pesé un jour, non? Allez-y. Alors, je le trouve assez léger pour un livre de 1700 pages. Ouais, je trouve que les pufs ont bien géré. C'est du papier bible. Ouais, tout à fait. Donc, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai comptabilisé les auteurs. Je suis arrivé à 194 auteurs. Je suis peut-être trompé. 196. J'en ai omis deux. 196 auteurs, donc, pour ce dictionnaire, qui couvre donc la période du 18e au 21e et est paru au PUF il y a maintenant 2017, donc il y a 2 ans, un peu bientôt 2 ans. Pourquoi peut-être pour commencer démarrer au 18e? Oui. Alors j'ajoute le nom de Sylvie Chapon, ouais. Ma collègue professeure contemporaine et spécialiste aussi de l'histoire du féminisme, qui travaille à Toulouse, donc c'est avec sa collaboration, et donc avec de nombreuses contributions, ce qui montre le dynamisme des recherches sur ce champ-là. Donc pourquoi le 18e? Vous auriez pu aussi me demander pourquoi un dictionnaire des féministes. Oh, ça va venir, ça va venir. Bon, on y reviendra alors. Alors pourquoi le 18e siècle? Les Lumières, la Révolution française, le fait que la citoyenneté devienne l'horizon du temps et des temps à venir, et avec la notion de liberté, la notion d'égalité, liberté, sont des valeurs qui vont nourrir le développement des féminismes socialiste, utopiste d'abord, au XIXe siècle, déjà nourrir des mouvements un peu proto-féministes pendant la Révolution française, nourrir des réflexions plus philosophiques ou qui s'expriment dans le champ littéraire, et nourrir ensuite le féminisme républicain sous la Troisième République. Donc c'est en tant qu'historienne, en histoire contemporaine, j'ai tendance à voir le 18e et la Révolution française comme un point de départ. Mais quand je discute avec des spécialistes de l'Ancien Régime, et notamment les historiennes qui travaillent au sein de la CIEFAR, la Société internationale d'études des femmes de l'Ancien Régime, elles disent « mais il y a déjà beaucoup de choses au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle ». Bon, parce que sur le 18e siècle, c'est quand même un petit peu rapide. Mais en fait, dans le dictionnaire, même si le titre indique 18e, on a quand même quelques notices
sur Féminisme d'Ancien Régime, sur Christine de Pizan, qui est considérée comme la première des féministes à la fin du Moyen-Âge. Donc on a quand même quelques notices antérieures au XVIIIe siècle, mais pour ne pas mentir sur le contenu, on a préféré indiquer XVIIIe comme date de début. Et alors, comment est venue l'idée du dictionnaire? Est-ce que c'est un long cheminement? Merci, je reprends ma question. Allez-y. Pourquoi le dictionnaire et pourquoi seulement en 2017? Et pourquoi parce personne que, n'avait-il eu l'idée avant? Oui, mais d'abord parce que personne n'était aussi maso que nous, sans doute, parce que faire un travail comme ça, ça prend 10 ans. C'est combien d'entrées? C'est compliqué. Alors, il y a 421 entrées biographiques, auxquelles on a ajouté 137 notices thématiques. Ouais. Notamment sur les différents centres de féminisme, mais pas seulement, pour donner des clés éclairant les trajectoires de vie des féministes. Il y a des notices sur le célibat, le mariage, la maternité, vieillir féministe, mourir féministe, etc. Donc les religions, les courants politiques... Voilà, tout ce qui pouvait, les lieux aussi, les espaces, les territoires du féminisme en fait. Donc en fait c'était assez indispensable d'avoir aussi des notices thématiques. Alors pourquoi un dictionnaire en dehors de... Donc pourquoi si tard? Parce que les recherches se sont multipliées, c'est une entreprise longue et difficile à mener, qui exige beaucoup de rigueur. Pourquoi c'est... Alors, ça n'existait pas avant, effectivement, parce que... Mais qu'est-ce qui a fait modèle, en fait? C'est, pour moi, en tout cas, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Le Métron, qui commence en 1966 et qui compte des dizaines de volumes. Donc j'ai participé modestement à cette aventure du dictionnaire du mouvement ouvrier. En y inscrivant des féministes. Et donc il y a pas mal de féministes qui sont à la fois dans le dictionnaire du mouvement ouvrier et dans ce dictionnaire. Ouais. Le Métron qui est en accès libre depuis récemment, je crois, sur le web. Oui, tout à fait. Et le Métron, voilà, c'est admirable. Mais ça commence en 1966. Ça continue à paraître de nos jours. On n'avait pas envie de se lancer dans une entreprise aussi longue. Donc là, ça ne fait que 1700 pages. Et c'est une sélection de féministes, pour la plupart en raison de choisies en fonction de leur notoriété, mais pas seulement. Et comment s'exercent les choix, justement? Alors ça, c'est très très compliqué, on ne peut vraiment pas résumer tous nos critères de choix en quelques phrases parce qu'on y a passé des réunions et des c'est réunions. C'est un comité de rédaction. Voilà, on a vraiment consulté, on a réuni des spécialistes. Il y a des équilibres. On s'engueule parfois. Non. Non, en revanche, on se fait engueuler après la publication du dictionnaire par toutes pour celles qui n'y sont pas. Ouais. Alors, d'ailleurs, celles qui protestent de ne pas y être, ou leurs amis, sont souvent des intellectuels qui n'ont pas du tout conscience. Alors, d'un des équilibres qu'on avait à respecter, c'est le fait que, bien sûr, le féminisme, c'est un mouvement de pensée. Donc là... Il y a beaucoup d'intellectuels féministes, il y en a toujours eu beaucoup. La première que j'ai citée, Christine de Pizan, elle est connue pour avoir écrit des livres. Donc le féminisme passe par le livre, par l'écrit, c'est très important, bien sûr. Mais le féminisme, c'est aussi un mouvement militant, un mouvement d'action qui repose sur des associations. Et il y aurait un grand danger à surestimer la partie intellectuelle du féminisme, comme on le fait souvent dans les médias, et à sous-estimer la partie militante de terrain. Donc c'est un peu triste, évidemment, de ne pas pouvoir mettre dans le dictionnaire toutes les intellectuelles féministes en France, parce que c'est limité à la France. Mais si on prend les intellectuels féministes depuis les années 70 en France, on aurait pu faire un dictionnaire uniquement sur elle et avoir des centaines et des centaines de notices. C'était vraiment pas possible. Mais bon, je suis pas en train de dire que tous les choix sont parfaits, loin de là. J'ai quelques regrets, pas trop, heureusement, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et donc, dans une deuxième édition
revue, corrigée, augmentée du dictionnaire dans quelques années, on aura de nouvelles notices. Voilà, donc vous dire en quelques mots comment on choisit et quels équilibres respecter, c'est compliqué. Il y a des équilibres par période, il y a des équilibres par genre de féminisme, des équilibres donc, entre intellectuels et moins intellectuels, disons. Une des grandes difficultés aussi, c'est de ne pas tomber dans le parisiano-centrisme. Ouais. Parce que l'histoire du féminisme qui a été écrite jusqu'à présent, elle a tendance à survaloriser Paris. Et d'ailleurs, en ce moment, se développe beaucoup d'histoires du féminisme au niveau local. Local, oui. Mais en écrivant voilà. Depuis Angers, enfin en dirigeant depuis Angers, c'était un risque évitable, non ? Évitable, parce que je suis devenue angevine, que je connais forcément bien les féminismes à Marseille, à Grenoble. Le parisiano-centrisme. J'en ai toujours. En tant que parfaite provinciale, je n'ai. Voilà, dans une toute petite ville, je suis très consciente du fait que. Voilà, la province, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, la province, c'est immédiatement dévalorisant de dire le mot province depuis le 19e siècle. Donc, de ne pas tomber trop dans ce piège. Voilà, et j'oublie encore d'autres critères, mais de ne pas faire non plus l'histoire uniquement du féminisme métropolitain, ouais. Puisque sur cette longue période, il ne faut pas oublier que la France a été une puissance coloniale, que la décolonisation est un phénomène majeur. Aujourd'hui, on parle de féminisme postcolonial, décolonial. Parler des féminismes aux Antilles, à La Réunion, c'est très très important. On a essayé de le faire. Il y a une cinquantaine de notices sur ces questions-là dans le dictionnaire. C'est pas du tout parfait. Mais au moins, on espère que c'est le reflet des recherches qui se sont faites à un moment donné. Éric, tu brûles de poser une question. Oui, mais je ne sais pas si c'est mon tour. Parce que, vas-y. Je ne veux pas me couper sous le pied, mais je voudrais réagir à ce que vous venez de dire, puisque vous parlez du féminisme singulier. Et j'imagine que c'est un choix qui a du sens de parler du féminisme au singulier à une époque où on a tendance à considérer qu'il peut en exister plusieurs. C'est quoi votre point de vue ? Il en existe plusieurs. D'ailleurs, c'est le dictionnaire des féministes. Ah. Donc un pluriel. Ma thèse qui portait déjà sur les féminismes, c'est une histoire des féminismes aussi, donc j'emploie souvent le pluriel. Bon, en même temps, c'est pas complètement absurde d'employer un singulier parce qu'il y a bien des points communs entre différents courants féministes. Donc les deux peuvent s'employer. Ce que vous me dites là, c'est la même chose pour la droite, les droites, les gauches, les extrêmes gauches aussi. Enfin, tous les courants politiques sont pluriels et pourtant on s'autorise de temps en temps à employer le singulier. On va peut-être passer à évoquer quelques entrées, quelques-unes de ces figures en se centrant sur la région. La première nantaise, donc à la lettre C, c'est Claude Cahun, la fille du fondateur du phare, qui a été un des grands titres de la presse quotidienne régionale. Si vous aviez à tracer son portrait, qu'est-ce qui vous inspire chez elle? Parce que c'est en même temps, elle est aussi une des figures du mouvement surréaliste. On connaît à Nantes le débat qu'il peut y avoir autour de Nantes et le surréalisme avec Vacher, avec Breton, etc. Comment voyez-vous, vous, Claude Cahun, son portrait et puis son apport au mouvement féministe? Alors, déjà, elle ne devient une figure du mouvement surréaliste ou éventuellement du féminisme ou de tout ce qui s'élabore dans la théorie queer sur le genre. Elle ne devient une figure que post-mortem. Que après.
Elle est redécouverte dans les années 90. Voilà, ouais. Donc ça on dit, je trouve que c'est assez exemplaire sur les difficultés des femmes artistes ou féministes à accéder de leur vivant à une certaine autorité. En plus, chez elle, c'est compliqué par le fait qu'elle repousse la gloriole et la célébrité. Elle a un style de vie tellement anticonformiste que voilà, elle rejette aussi ça, le statut d'artiste. Comme elle rejette l'identité féminine. Alors, est-ce qu'elle est féministe ou pas? Ça me permet l'exemple de Claude Cain de dire que on a souvent été confrontés dans notre sélection à des personnes qui étaient pas forcément toujours identifiées clairement comme féministes, que nous avons envie de voir comme féministes, nous, aujourd'hui, mais qui ne s'identifiait pas forcément comme féministe à l'époque. C'est une interprétation a posteriori. Voilà, ça peut être le cas. Si on n'avait pas mis Claude Cain, on aurait frustré des lectrices et des lecteurs qui auraient dit « Comment, Claude Cain, il est tellement génial, la transgression du genre, ses autoportraits, c'est tellement moderne, elle a beaucoup apporté au féminisme. » Mais en même temps, elle ne s'identifiait pas comme une militante ni comme une féministe, même si... Évidemment, elle devait avoir de la sympathie pour la cause et être favorable à l'égalité des droits, mais elle ne s'identifie pas. Dans ses écrits, il n'y a pas de référence directe. Non, pas de référence directe au féminisme. Et ça permet aussi l'exemple de Claude Cain de dire que tout ce qui concerne la liberté sexuelle et l'interrogation du genre, des identités prescrites, est-ce qu'on peut les dépasser? Les dépasser, est-ce que la fluidité sexuelle, l'effacement des contraintes, des identités prescrites, ça n'a pas toujours été au cœur du féminisme, qui a pu, pendant la première vague, entre la fin du 19e et les années 60, être assez normatif, d'un certain point de vue. Philippe. Et craindre, être assez frileux sur ces questions d'identité et de sexualité. Je crois que vous le dites d'ailleurs dans la notice concernant Claude Cain, elle se positionnait comme sur le choix de l'indéterminé en fait. C'est en ce sens-là sans doute qu'elle ne s'est pas affirmée comme féministe. Voilà, dans un monde où on impose une bicatégorisation de sexe et de genre, elle se vit ailleurs, elle se pense ailleurs. Voilà, alors moi je me suis amusé à croiser un autre dictionnaire qu'on connaît ici et qu'on a présenté également, qui est le dictionnaire de Nantes. Et j'ai regardé ce que disait le dictionnaire de Nantes. Alors il y a des auteurs hein, dans la salle, peut-être qui pourront intervenir, sur le féminisme. Et donc j'ai été voir si je retrouvais un certain nombre de choses dans ce croisement. Alors peut-être que dans les éditions futures, il y a des noms, je vais vous en suggérer quelques-uns. Par exemple, nos amis qui ont écrit ce dictionnaire de Nantes signalent qu'il y a quand même eu deux femmes corsaires qui s'appelaient Juliette David et Louise Antonini, mais qui s'étaient affirmées dans un monde évidemment particulièrement masculin. Alors, je ne les ai pas retrouvées dans votre dictionnaire, mais... voilà, on peut être corsaire sans être féministe. Oui, tout à fait. C'est pas un dictionnaire des femmes remarquables, des femmes qui ont transgressé la loi du genre. C'est pas le dictionnaire des créatrices, d'ailleurs ça existe, un dictionnaire des créatrices. C'est pas un dictionnaire des femmes célèbres, ça existe d'ailleurs, un dictionnaire des femmes célèbres. Je défends quand même un périmètre au féminisme. C'est un mouvement collectif qui défend l'émancipation des femmes, l'égalité des sexes. C'est autre chose là dont vous me parlez. Oui, non, mais c'est une taquinerie simplement par rapport à ces femmes qui avaient sûrement un destin très particulier, mais qui évidemment ne pensaient pas féminisme sans doute lorsqu'elles étaient dans l'action. Par contre, donc, dans les personnages importants que Nantais qu'on retrouve dans votre dictionnaire, bien entendu, il y a Clémence Royer, qui est une personnalité assez particulière. Alors là aussi, ça serait intéressant que vous en disiez un mot, parce que je crois qu'en plus, elle est des positions un petit peu ambiguës qui peut-être font qu'elle est moins reconnue que d'autres. Donc, ce serait intéressant que vous puissiez en dire un mot de Clémence Royer.
Alors au 19e siècle, enfin second 19e siècle, hein, Clémence Royer, elle est vue comme une grande intellectuelle, vraiment comme une philosophe remarquable, traductrice de Darwin et féministe engagée, vraiment militante, également franc-maçonne. Quand une obédience mixte et féministe est créée, elle rejoint tout de suite cette première loge. Mais il est vrai qu'elle défend aussi des idées choquantes pour nous sur l'inégalité des races, le génisme. Voilà. Mais bon, il faut contextualiser aussi ces idées-là. Non, je ne pense pas qu'on puisse trouver des points communs entre féministes nées à Nantes. Hein. Par exemple, Claire Bretéché, elle est dans le dictionnaire, elle est née à Nantes, mais elle dit qu'elle s'est ennuyée et qu'elle est partie le plus vite possible. C'est à l'inverse d'André Breton. Oui, c'est l'exemple opposé de Breton. Beaucoup de ceux que je qualifie de Nantais sont nés effectivement à Nantes, mais la plupart ont fait un parcours qui les a emmenés ailleurs. Alors, pour citer d'autres noms qu'on retrouve dans votre dictionnaire, il y a évidemment Maryse Guerlet, alors qui est presque une contemporaine, puisqu'elle est décédée accidentellement il y a une dizaine d'années à peu près. Je pense d'ailleurs que dans la salle, il y a aussi une personne qui figure dans vos entrées, mais elle pourra peut-être s'exprimer tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pourriez dire de Maryse Guerlet alors? Alors, elle a joué un rôle important à Nantes en tant qu'enseignante intellectuelle. Elle a publié dans Questions féministes et elle a été une des présidentes de l'espace Simone de Beauvoir pendant quelques années. Elle n'en a pas été la première présidente. La première, c'était René Bonstal. Voilà. Non, mais toutes les féministes nantaises n'y sont pas, mais je vous dis que c'est absolument impossible. Hein, c'est un dictionnaire sur l'espace national. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a des personnes qu'on a retenues pour... comment dire? Il y a une part de hasard, hein, c'est vrai aussi, dans le choix des personnes qui sont plus ou moins... dont on parle plus ou moins, voilà, il y avait encore une mémoire vive de Maryse Guerlet après son décès. Je pense que ça a joué dans le fait qu'elle est dans le dictionnaire. Alors, il y en a une autre que, et puis je m'arrêterai là parce qu'on pourrait faire la soirée. Il y en a une autre qui est intéressante parce que justement par rapport à la façon dont les gens vivent leur féminisme d'une certaine manière, vous l'avez dit, il y a des féminismes. Et donc, il y a dans le dictionnaire quelques personnes qui se sont affirmées féministes par le sport. Et Alice Mia, par exemple, est une de ces personnes. Donc, vous pouvez dire également peut-être un petit mot. Oh, ben, elle, c'est vraiment... D'abord, elle était sportive. Et ensuite, elle a vraiment créé le mouvement sportif féminin et les Olympiades féministes à l'époque où les Jeux Olympiques étaient réservés aux hommes. Donc elle a joué un très très grand rôle. Et aujourd'hui, on voit que son nom est repris pour baptiser des écoles, des rues, des équipements sportifs. Et c'est vraiment une bonne chose. Oui, elle a vraiment été exemplaire dans... Il a fallu s'acharner parce que c'était aussi un terrain, on en parle moins que la citoyenneté ou les luttes sur la contraception et l'avortement. C'est pas une cause de tout premier plan, mais les héroïnes du sport sont pas non plus dans le dictionnaire parce que voilà, on n'y trouve pas les corsaires, on n'y trouve pas non plus les grandes sportives. Et pourtant, il s'ouvre sur une autre sportive qui s'appelle Nicolas Barre, c'est ça? Mais qui n'est pas nantaise, elle, hein, et qui fait une carrière dans le football. Oui. Et qui ensuite crée les ABCD de l'égalité. Donc, quand ces sportifs sont clairement aussi des féministes engagées, il n'y a pas de raison, évidemment, qu'elles ne soient pas dans le dictionnaire. Ça, voilà, je ne doute pas qu'il y aura des questions, peut-être, concernant Nantes et le féminisme dans les salles. Moi, je voudrais réagir à ce que vous avez dit il y a quelques instants sur les différentes vagues du féminisme. Alors, on n'a pas...
une année pour faire un cours sur les vagues du féminisme, mais malgré tout, en quelques mots-clés comme ça, est-ce que vous pourriez nous brosser à grands traits quelles sont ces grandes vagues et puis peut-être aussi quels sont les personnages qui peuvent incarner chacune de ces vagues? Alors, les vagues, c'est un cycle de mobilisation militante. Donc, on en distingue trois pour le moment. Ce qui est d'ailleurs assez controversé, il y a quand même des débats dans l'historiographie du féminisme, parce que bon, la première vague, elle commence au 19e siècle, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait aussi parler de féminisme antérieur. Alors, on parle de vague à partir du moment où il y a dans la société l'espace pour qu'un mouvement pérenne puisse exister, et pas seulement des brèches pendant les révolutions. La grande révolution de 1789, la révolution de 1830 et juste après, la révolution de 1848. Là, c'est on a déjà des féministes. Les vagues, c'est plus des tendances que des ruptures. Ça non, dans c'est. Non, c'est pas des tendances, c'est des cycles de mobilisation qui durent, qui peuvent durer plusieurs générations. En ce moment, on a tendance à vouloir toujours une nouvelle vague, donc on parle de quatrième vague. Il y aura bientôt une cinquième vague. Je suis tout à fait opposée à ces dénominations. Donc, cycle de mobilisation autour d'une revendication principale, dans un contexte donné et avec un répertoire d'actions aussi associé. Un petit peu ces trois éléments-là qu'il faut bien analyser pour pouvoir dire, voilà, on a affaire à une vague, donc à un nouveau grand cycle de mobilisation. Puis on dit vague, bah oui, c'est plus joli que cycle de mobilisation, et puis c'est une terminologie qui est propre au féminisme, et donc c'est un peu notre identité quand on parle du féminisme, voilà, on parle de vague. Alors la première vague de la fin... Alors il y a des débats aussi pour savoir si on peut internationaliser cette notion de vague. Est-ce que c'est la même périodisation en France, en Europe, ou dans des pays extra-européens? Bon, alors en laissant ça de côté et en parlant simplement de la France, c'est vraiment avec la Troisième République qu'un mouvement féministe pérenne peut se constituer. Il y a la liberté de la presse, il y a la liberté d'exister des associations, liberté de réunion, liberté de manifestation, un peu moins, parce que le ministère de l'Intérieur interdit quand même les manifestations féministes, alors que les manifestations communistes ou d'extrême droite sont autorisées entre les deux guerres, mais pas pour les féministes. C'est à souligner, il y a une peur des autorités par rapport à cette possibilité que les féministes auraient d'aller dans la rue, comme les Anglaises, dans les années 1914. Donc il y a une longue première vague avec des débats sur quand est-ce que ça s'arrête. Est-ce que c'est les années 30? Est-ce que c'est la Seconde Guerre mondiale avec France Vichy? Ou est-ce que c'est les années 50, le premier signe de changement étant l'apparition du planning familial qui s'appelle d'abord maternité heureuse et qui apparaît en 1956? Et là, on voit émerger... Alors, la première vague... Elle s'intéresse avant tout, mais c'est caricatural de dire ça, hein, mais elle s'intéresse avant tout à la place des femmes dans l'espace public, à l'accès à l'espace public, à l'accès à la citoyenneté, au droit de travailler, à l'expression culturelle des femmes. Voilà. La deuxième vague, c'est plus les droits reproductifs, contraception, avortement, liberté de disposer de son corps, maîtrise de la fécondité, donc ce sont des enjeux essentiels. Ça ne veut pas dire que les féministes de la première vague ne s'y intéressaient pas, il y en avait déjà. Et la troisième vague, mais c'est plus dans un contexte, là, me semble-t-il, très différent du contexte des années 68. On n'est plus du tout dans ce contexte-là. La période contemporaine, depuis 20 ans, est plus sombre, avec la paupérisation, la mondialisation, la montée des populismes. Donc on est dans une période bien différente. Internet change énormément aussi le répertoire d'action. On parle de cyberféminisme, de cyber-antiféminisme. Et
Alors, il y a à nouveau des effets de continuité, par exemple la liberté de disposer de son corps, ça concerne aussi la liberté sexuelle, donc les questions LGBT sont devenues très, très importantes, le féminisme intersectionnel, c'est aussi une nouveauté des années toutes récentes, l'émergence de l'afroféminisme en 2014, voilà, c'est une date. Donc, c'est difficile de résumer en un mot la troisième vague, mais je trouve que ce qui la dissocie bien de la vague précédente, c'est quand même un contexte plus préoccupant. On n'est plus du tout dans cet élan de libération des années 60-70. Et pour vous, on est toujours sur cette même troisième vague. Vous l'avez dit au détour d'une formule il y a quelques instants. On n'est pas dans une nouvelle vague, contrairement à ce que beaucoup disent, notamment avec l'avènement d'Internet, avec l'affaire MeToo, etc. On n'est pas dans une nouvelle vague. C'est bien la troisième qui continue. Oui, bien sûr. Donc la troisième vague, on a l'habitude de la dater de 1995, son début. Et je pense que oui, on peut pas. C'est une question que j'aurais pas dû poser, ça va aller loin. Non, mais toutes vos questions sont tellement, en fait, tellement vastes que c'est toujours difficile de résumer tout ça en quelques phrases pour répondre. Pourquoi 95? Parce que la mondialisation, parce que Internet, parce que la grande rencontre mondiale à Pékin est un moment, enfin une date du féminisme onusien. Voilà. Oui, mais mondialisation, Internet, ça correspond bien à l'année. Aux années 95. Voilà, le milieu des années 90. Et. Oui, il me semble que si on accepte de parler de quatrième, de cinquième vague, on va vite perdre de vue ce qui faisait l'intérêt de périodiser en termes de vagues. Alors, moi, je me suis intéressé il y a peu de temps aux travaux de Camille Froide-Vaumétry, justement, qui définit une nouvelle ère du féminisme. Alors, je ne sais pas si elle considère que c'est une nouvelle vague, mais elle parle du tournant génital du féminisme. C'est-à-dire qu'elle a derrière cette question-là. Moi, je vais simplifier par des images qui ne vont pas du tout vous plaire, hein, mais qui vont être un peu... Vous n'êtes pas obligé de me déplaire, non? Non, mais caricatural. par rapport à ce que vous dites, de la subtilité, justement, de ces vagues. Mais en gros, la première, c'est le bulletin de vote, le carnet de chèques. La deuxième, c'est autour de la contraception. Et cette troisième vague dont on parle, elle aborde des sujets qui étaient jusqu'à présent assez tabous, la sexualité, le sextoys, les règles aussi. On voit bien que notamment les jeunes femmes abordent ces questions-là de façon très cash, même parfois provocatrice. Et donc c'est ça un petit peu le tournant génital de quelques familles que Camille Froide-Vaumétry décrit dans un bouquin qui vient de sortir l'automne dernier. Oui. Bon, elle n'est pas historienne, mais bon, c'est sa vision. C'est pas faux. Enfin, il y a effectivement encore beaucoup de choses à dire du corps, de la honte corporelle, de la méconnaissance du corps des femmes, les connaissances vraiment précises et scientifiques sur le clitoris. Elles sont toutes récentes et c'est devenu une campagne des féministes, voilà, dans les toutes dernières années. Et c'est juste un exemple. La taxe tampon, c'est aussi quelque chose de tout récent. Maintenant, on peut dire que ça a été préparé par la deuxième vague. C'est pas non plus complètement nouveau, mais là, ça a atteint un plus large public. Donc ça, oui, je trouve que ça fait partie des renouvellements actuels du féminisme importants. Est-ce que le paysage actuel des féministes ou des féminismes n'est pas plus éclaté qu'il y a que dans les années 70-80? Non, ça c'est une illusion d'optique. Il y a toujours eu beaucoup de diversité, beaucoup de tensions et beaucoup de féministes qui s'ignorent. Il y a vraiment des féminismes qui fonctionnent en parallèle. Je pense aux féministes modérées, par exemple, catholiques, de l'Union féminine civique et sociale, par exemple, qui sont à milieu des anarcha-féministes.
ou d'autres courants, ou des féministes socialistes laïques, très attachées à la laïcité. Les féministes, il y a à la fois, si vous voulez, un noyau dur qui essaie d'être assez autonome. Autonome politiquement, vous voulez dire? Oui, indépendant des partis, des syndicats, d'accord, des grandes associations qui défendent les droits humains. Il y a quand même dans le féminisme une recherche d'autonomie et d'indépendance. C'est pas plutôt marqué à gauche? Par l'engagement de grandes figures. Oui, bien sûr, mais tout en étant en conflit avec une gauche qui considère le féminisme comme un front secondaire, comme quelque chose de concurrentiel, de dangereux. Donc il y a toujours eu des relations tendues entre la gauche incarnée par des hommes et les féministes. Même si, évidemment, il y a des militantes de gauche, il y a des féministes de gauche qui ont essayé d'œuvrer dans les partis, les syndicats, les associations de gauche. Alors oui, le féminisme est plutôt à gauche, mais en étant indépendant par rapport à ces organisations qui structurent la gauche et qui sont dominées par les hommes depuis toujours. Voilà, donc oui, on peut quand même dire que le féminisme est plutôt de gauche en relativisant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la gauche ? Le féminisme, c'est aussi un mouvement progressiste, voire révolutionnaire, qui peut être pensé indépendamment des idées de gauche. Mais bon, ce que je voulais dire, il y a ce noyau dur, et la majorité des féministes tout autour agissent dans différentes sphères culturelles, politiques, les organisations du travail, les organisations de défense des droits humains, les médias, le sport. Il y a vraiment tout autour du noyau dur une espèce de couronne très diversifiée, les organisations antiracistes aussi. Et la plupart des féministes ont un double ou un triple militantisme. Elles ont vraiment, elles et ils ont, c'est encore plus vrai des hommes féministes d'ailleurs, beaucoup de casquettes. Beaucoup pensent qu'on ne peut pas séparer le féminisme de l'humanisme, pour certains, qui vont le formuler comme ça, ou des luttes pour les droits humains, des luttes pour l'émancipation en général, émancipation qui passe par la lutte contre le capitalisme, par exemple, ou le militarisme. Donc il y a plein de... les luttes environnementales. Donc ça rend le paysage assez complexe et difficile à l'image de la société. Difficile à cerner, bien sûr. Les féminismes sont toujours à l'image de la société dans laquelle ils se développent. Vous venez de parler d'un ADN qui peut être plutôt à gauche, mais est-ce qu'il y a un féminisme de droite aussi? Oui. Oui, en tout cas, moi, je le pense. Hein. Il y a des formes de féminisme très modérées. Alors, du coup, avec toujours une certaine gêne chez ces féministes, avec le mot féminisme, qui est porteur de connotations de gauche, très militante. Donc, ça peut être une gêne. Mais il y a, par exemple, au sein du mouvement gaulliste, en 65, il y a une association de femmes qui est créée. Alors, il est créé surtout pour que les femmes votent. Pour instrumentaliser pour un le vote. Un petit peu instrumentaliser, orienter le vote des femmes. Mais très vite, ces femmes, ça s'appelle Femmes à venir. Ces femmes, du fait qu'elles se réunissent entre elles, vont prendre conscience d'un certain nombre de discriminations dans le mouvement gaulliste. Elles vont œuvrer pour qu'il y ait plus de candidates aux élections. Et elles vont avoir une revue et un discours assez féministe, mais sans avoir forcément de lien avec d'autres féministes. Alors cette solidarité, on pourrait dire, interpartisane, elle se développe surtout avec la lutte pour la parité. Là, c'est vraiment le moment, le ras-le-bol, quoi. En 95, justement, 93, 94, 95, c'est le début de la lutte pour la parité, qui est un moment très important de ressourcement, de renouvellement des luttes féministes. Et là, il y a le manifeste des 10 avec des femmes comme Simone Veil, des femmes connues à droite et à gauche qui signent ensemble un manifeste pour la parité. Et à cette époque, je rappelle qu'il n'y avait que 5% de femmes élus au Parlement.
Et ces femmes, elles partagent la même révolte, le même ras-le-bol. Voilà, donc oui, ça existe aussi à droite, et ça existe aussi dans les courants catholiques. Alors, ça prend des formes diverses, le catholicisme social, aujourd'hui le comité de la jupe, qui dit des choses intéressantes sur le clergé, ou avant, dans les années 70, une association qui s'appelle Hommes et Femmes en Église, Marie-Thérèse Van Lunen-Chenu, qui a créé cette association mixte de catholiques qui veulent révolutionner l'Église catholique. Donc on trouve aussi... Ce ne sont pas forcément des catholiques de droite. Ça peut être j'ai glissé, c'est vrai, de votre question sur la droite aux catholiques. Moi, je voudrais revenir sur votre regard d'historienne sur l'actualité de ces dernières années, et à plus forte raison de ces derniers mois, où on a l'impression que le sujet du féminisme occupe une place de plus en plus importante dans les colonnes des médias, par exemple, à commencer par ça. Est-ce que vous le confirmez ? Est-ce que c'est vraiment une époque singulière de ce point de vue-là ? Et si c'est le cas, quelle en est la raison ? Alors, il y a des hauts et des bas dans la vie du féminisme. J'ai parlé des vagues, j'aurais pu parler des creux de la vague, des moments de ressac, de backlash. Des années 30 aux années 50, il y en a eu un fameux en France. Il y en a un dans les années 80, et c'est une des manières d'identifier un backlash, c'est de voir que la question féministe est moins médiatisée, et elle est traitée d'une manière nettement moins bienveillante dans les médias. Donc en ce moment, on est sur un pic de l'actualité féministe. C'est pas la première fois dans l'histoire du féminisme. Vous seriez surpris de lire la presse dans les années 1900. Il est question du féminisme tous les jours. Tous les jours, on parle de femmes nouvelles, les femmes peuvent devenir avocates, le vêtement se transforme, les femmes font du sport. Enfin, c'est vraiment une question d'actualité. Et il existe même un quotidien féministe, un quotidien qui s'appelle La Fronde et qui est reconnu d'excellente qualité. Donc, dans les médias, c'est aussi un des enjeux de la lutte féministe. Il y a des journalistes féministes, des journalistes antiféministes également, et il y a une lutte pour faire exister le féminisme dans les médias comme une question d'actualité. Donc c'est à la fois le signe que le féminisme est dynamique, mais aussi qu'il est actif au sein même des médias, avec la création de nouveaux médias ou de la pression interne à chaque organe de presse. Et vous voyez une corrélation justement entre ces pics de mouvements féministes dont on parle et l'avènement de nouveaux médias, puisque vous parlez finalement d'une époque du début du XXe, qui est l'époque de l'avènement de la presse populaire. Là, on parle de l'avènement d'Internet. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas une résonance entre ces avènements? Alors, ça ne serait pas vrai pour la radio avec les années 30-50, donc je ne suis pas sûr que ça puisse être une tendance, mais malgré tout, est-ce qu'il peut y avoir une coïncidence heureuse? C'est vrai de toute chose nouvelle et pas encore institutionnalisée, et de pas encore vraiment reconnue. Et quand cette nouveauté est pleinement investie là, on voit que ce secteur, quel qu'il soit, en s'institutionnalisant, se masculinise et devient excluant pour les femmes et excluant aussi pour la question féministe. Ça se vérifie pour tous les champs d'activité culturelle ou politique. Dans l'histoire des syndicats, par exemple, au XIXe siècle, on peut le vérifier. Au tout début de l'histoire des syndicats, il y avait beaucoup de femmes. Et quand ça devient une affaire de confédération, etc., que ça se structure, ben les femmes, petit à petit, sont minorisées. C'est vrai de pratiques culturelles comme la photographie, comme la vidéo. Oui, je vous ai posé une question tout à l'heure sur des grandes figures, des grands noms, parce que c'est vrai qu'on a envie de rentrer dans ce dictionnaire et voir si vous avez des affections particulières personnelles, et puis peut-être des noms, on va dire,
des figures historiques pour le coup. Alors c'est deux questions en une, votre cerveau d'historienne d'une part et puis peut-être votre cœur de l'autre. Et en ajoutant, alors moi je... Enfin, il y a une figure que j'ai trouvée formidable. Alors, elle est au tout début, j'ai pas un grand mérite, mais c'est Hubertine Auclair qui, dès 1901, alors c'est très marrant, ça fait écho à ce qu'on connaît avec l'écriture inclusive, mais dès 1901, intime aux académiciens, qui doivent être que masculins à l'époque, de féminiser la langue. Oui, ah, elle est géniale, Hubertine Auclair. Elle mérite d'être... Elle écrit beaucoup, oui. Oui, bah, elle a consacré elle, toute sa vie. Alors voilà, le féminisme autonome, elle a consacré toute sa vie à la cause féministe. Hors engagement politique. Oui, absolument. Elle est née en 1848, elle est morte en 1914, et c'est la première suffragiste et suffragette française. Donc on peut dire les deux. Donc suffragiste, en fait, c'est le terme noble pour décrire le militantisme en faveur du suffrage des femmes. Suffragette, c'est un petit peu comme les Anglaises passer un répertoire d'actions... bravant l'illégalité, en fait, hein, éventuellement violent. Donc, par exemple, Hubertine Auclair, elle fait la grève de l'impôt, elle organise des manifestations de rue aussi. Donc elle innove dans le répertoire d'action, et puis le spectre de ses revendications est extrêmement vaste. Mais ce qu'elle pense, c'est que le droit de vote sera la clé de voûte de tous les autres droits. Donc elle donne la priorité au droit de vote. Et quand on découvre Hubertine Auclair, on est souvent surpris de constater qu'elle a longtemps été seule, en fait, à revendiquer le droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. Alors qu'il y avait déjà des féministes et de plus âgées qu'elle qui étaient agissantes. Mais ces féministes donnaient la priorité au droit civil, à la réforme du code Napoléon, à l'éducation, et disait, comme George Sand, quand les femmes seront éduquées, quand elles auront une pleine personnalité grâce à la réforme du code civil, alors les femmes pourront voter. Et Hubertine Auclair, elle inverse le raisonnement et elle dit, mais quand les femmes pourront voter et seront électrices, elles pourront réformer le code Napoléon, elles pourront améliorer l'éducation des filles. Donc elle est très importante et trop peu connue, hein, vraiment. C'est quand même affligeant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait le dictionnaire. Il y a un côté pour rendre compte des recherches universitaires qui se font, mais aussi apporter quelque chose, enfin renforcer la mémoire des luttes féministes, donner des idées dans les mairies ou à l'éducation nationale pour qu'on fasse connaître ces noms-là. Hubertine Auclair est vraiment une des priorités. Elle est vraiment remarquable. Elle a une obstination incroyable. Elle crée le journal La Citoyenne. Elle écrit aussi dans tous les autres journaux. Voilà, Hubertine Auclair. Totalement. La cause ne fait qu'une avec sa vie. C'est une vie entièrement dédiée au féminisme. Alors, mon cœur. Et puis les grandes figures. Mon cœur, il y a évidemment Olympe de Gouges qui est plus connu, mais dont on attend encore la panthéonisation que nous réclamons depuis 1989. J'étais à la manifestation en 1989 et chaque année, nous réclamons la panthéonisation de Olympe de Gouges qui a été refusée par Mitterrand. Je pense pour une part de la méconnaissance et puis peut-être aussi parce que sa vie privée apparaissait trop peu conforme à la morale dominante. Celle de Mitterrand ou celle de Mme de Gaulle? On ne peut pas dire. Ouais. Bon, donc Olympe de Gouges au Panthéon. Les derniers choix de panthéonisation sont intéressants, hein, en ce qu'ils évitent vraiment voilà, le féminisme. Bien sûr, Simone Veil, elle est plus reconnue comme féministe qu'elle ne se reconnaissait elle-même comme féministe. Donc le cas de Simone Veil est assez intéressant. Elle est devenue aussi de plus en plus féministe au fil de sa vie en vieillissant. Il faudrait nuancer tout ça.
Alors, c'est intéressant, j'aime bien revenir là-dessus, sur ce que vous venez de dire au passage. Mais j'ai pas encore répondu. Ouais, on va pas oublier, mais sur le fait que finalement, les dernières panthéonisations de femmes soient plutôt... Panthéonisation, merci. Soient plutôt du féminisme édulcoré, c'est ça que... Non, pas édulcoré, mais des femmes absolument remarquables, évidemment, mais dont on a choisi... les présidents de la République successifs ont choisi de privilégier le XXe siècle. On voit le présentisme de plus en plus fort. Là, on choisit une femme qui vient tout juste de mourir. Et on y associe son mari. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi là-dessus, je trouve. Et donc, on délaisse des figures plus anciennes déjà. Hein, et puis surtout, on délaisse des figures vraiment du féminisme, comme Jeanne de Bouge, qui n'est pas que féministe d'ailleurs, parce que sa participation aux luttes contre l'esclavage et son appartenance à la Société des Amis des Noirs, c'est quand même aussi quelque chose de très intéressant chez elle. Elle était à la fois en termes d'herbe antisexiste et antiraciste et anti-esclavagiste. Et, c'est. Ça nous parle beaucoup, je trouve, aujourd'hui. Donc, ça serait aussi intéressant pour cette raison-là. Puis, on dit parfois associer l'esclave solitude, qui s'est révoltée et qui a été tuée juste au lendemain de son accouchement, après avoir échappé à ses maîtres au moment du rétablissement de l'esclavage. Et tu es donc d'avoir une féministe blanche et une femme qui incarne la révolte des esclaves, ça aurait été intéressant. Mais bon, voilà. Donc on n'a pas. Ça c'était pour Panthéon, mais voilà. Et donc revenons à la question donc, la question sur celle que je préfère, celle qui me touche le plus, c'est Madeleine Pelletier. Parce que quand j'ai découvert sa vie, ses archives, elle était très très peu connue et je m'efforce de la faire connaître depuis bientôt 30 ans. Et je suis heureuse, ça commence à passer. Il y a depuis le colloque que j'avais organisé en 91, je crois, il y a eu une belle émission sur France Culture, il y a un documentaire qui est en train d'être tourné, il y a une toute jeune BDiste qui réalise une BD sur Madeleine Pelletier. Alors Madeleine Pelletier, elle est née en 1874 et dans un milieu très pauvre à Paris, et elle devient la première femme interne des asiles d'aliénés. Elle se bat pour l'ouverture du concours aux femmes. Donc déjà, elle a une trajectoire sociale incroyable. Et elle devient une révolutionnaire qui s'intéresse à toutes les causes de l'émancipation humaine, mais elle privilégie le féminisme, mais un féminisme extraordinairement radical, puisque son idée du féminisme, c'est d'aller vers l'abolition de la féminité, et donc du genre, en fait, de la bicatégorisation des genres. Et elle s'habille en homme. Bon, j'ai écrit une histoire politique du pantalon, donc c'est grâce à Madeleine Pelletier que j'ai pris autant conscience de l'intérêt de travailler sur les marques du genre. Madeleine Pelletier, elle refusait les marques vestimentaires du genre et toutes les marques du genre. Elle estimait que les femmes devaient avoir accès à toutes les activités, à une égalité totale, y compris le service militaire, pour avoir le droit éventuellement de le refuser, ce qui aurait été son cas. Et elle est aussi communiste, mais toujours dans les courants les plus contestataires, donc elle ne va pas rester longtemps au Parti communiste. Elle est celle qui, au sein de la SFIO, a fait passer la motion incluant le vote des femmes dans le programme des socialistes en 1906. Donc, elle s'intéresse à plein de choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit. C'est vraiment, pour moi, une des grandes intellectuelles féministes qui analyse déjà, sans avoir dans son vocabulaire le mot genre, et tout ce qu'on veut dire avec le mot genre aujourd'hui, en fait, c'est déjà dans Madeleine Pelletier.
Sans doute que Simone de Beauvoir l'a lu sans la citer. Hein, quand elle écrit cette phrase « On ne naît pas femme, on le devient », c'est vraiment du Madeleine Pelletier. Et puis, ce qui me touche aussi beaucoup, c'est sa lutte pour le droit à la contraception, à l'avortement, à une époque où tout ça est très réprimé. Et d'ailleurs, elle va être arrêtée pour avoir pratiqué des avortements et défendu le droit à l'avortement. Elle est la première féministe à avoir écrit un livre qui s'appelle « Le droit à l'avortement ». C'est clair, hein, vraiment. Et donc, elle est arrêtée en 1939 et jugée et internée dans un asile où elle meurt voilà, six mois plus tard. Donc, elle a une fin vraiment, vraiment tragique. Le courage qu'elle a me touche, et surtout qu'elle ait autant fait coïncider ses idées et ses actes. D'être pour l'avortement et d'avoir, en tant que médecin, pratiqué des avortements illégaux, à ses risques et périls, et en rendant service à des femmes qui étaient dans des situations vraiment incroyables, parce que en fait, elle a été dénoncée par un jeune homme qui avait violé sa sœur, et Madeleine Pelletier avait donc fait un avortement sur cette jeune fille, sur la victime de ce viol, par un inceste, par un frère. Donc c'est dire le sentiment d'impunité qui régnait à ce moment-là. Ça peut faire penser d'ailleurs à une autre époque, au procès de Marie-Claire, le fameux procès qui a tant contribué à la lutte pour la reconnaissance du droit à l'IVG, où on a aussi une jeune fille qui est très jeune fille, qui a été violée par un camarade de classe, et c'est lui qui la dénonce. Alors ça, c'est pour les grandes figures, oui, voilà, en tout cas celle-là sur laquelle vous attirez notre attention. Est-ce qu'il en existe des contemporaines, donc encore vivantes, qui sont dans ce dictionnaire et sur lesquelles vous souhaiteriez attirer notre attention? Alors déjà, il y a des encore vivantes. Ça aussi, ça a été un gros débat. On vient à la question du début, comment choisir? Est-ce qu'on intègre les vivantes ou pas? Ou est-ce qu'on laisse la mort décider, avec tout ce que la mort a quand même un peu d'arbitraire? Si on peut étudier les causes de la mort d'une manière un peu socio-historique. Pas complètement le hasard, parfois. Parfois oui, parfois non. On a choisi d'inclure les vivantes parce qu'il y a de très longues vies de féministes, des femmes qui ne sont pas encore mortes. Ça serait quand même dommage qu'elles ne soient pas dans le dictionnaire uniquement parce qu'elles ne sont pas encore mortes. Voilà, donc c'est plus compliqué avec les jeunes. Voilà, Clémentine Autain, par exemple, cette génération-là, Caroline Dehas, qui sont dans le dictionnaire. Vous avez aussi des figures assez étonnantes. Tout à fait par là, je suis tombé par exemple sur une des sœurs de Malik Oussekine, cet étudiant tué par les voltigeurs en 86, hein, lors des manifs du mouvement étudiant contre la réforme de Vaquet. Et vous les consacrez, enfin, il y a deux pages sur là, enfin, c'est un parcours aussi surprenant. Oui, mais de filles d'Algériens, de parents ouvriers. Qui va avoir tout un parcours associatif, les radios aussi, une radio libre dans les années 80, et puis un engagement politique auprès des Verts. Mais qui dit qu'on a sortir de sa condition d'arabe de service. Oui, elle se révolte beaucoup contre l'instrumentalisation des quartiers. Voilà, elle s'exprime là-dessus dans les années 2000, avec tout ce qui s'est passé autour de Ni pute ni soumise. Elle a plutôt accompagné la marche dite des beurs en 83. Donc ça, c'est évidemment, ça c'est une question récurrente. Hein, toutes ces féministes qui sont à l'intersection de combats contre le racisme et féministe,
ça peut donner des attitudes extrêmement opposées sur la question du voile, par exemple. Hein? Radicalement opposées. Et alors, dans les figures récentes, vous étiez donc sur Clémentine Autain. Donc, je l'ai cité juste comme ça. Ben, voilà déjà deux féministes très, très différentes. Il n'y en a pas énormément encore hein, dans ce dictionnaire des féministes de la troisième vague. Il nous faut quand même un petit peu de recul pour discerner quelles sont les figures. Vous avez choisi d'intituler cet échange « Les figures du féminisme ». On ne devient pas une figure comme ça en un jour. Hein. On devient une figure aussi avec les médias. Si on n'a pas les médias, on ne devient pas une figure. Voilà, il faut quand même un petit peu de recul. Vous avez parlé tout à l'heure du reflux des années 80. Alors, à quoi il est dû? Parce que, bon, dans les années 70, on a des grandes avancées sur l'avortement. Il y a la figure de Gisèle Halimi. Très importante, Gisèle Halimi. Qu'est-ce qui se passe dans les années 80 alors, pour expliquer ce reflux? Alors, au niveau mondial, on sent qu'il y a déjà une contre-révolution conservatrice en marche. L'élection Reagan, Thatcher. Alors, la France est un peu en contre-courant, à contre-courant avec l'élection de François Mitterrand et une réaction d'une partie de la société civile hein, qui avait été très mobilisée, très militante dans les années 70 et qui commence à laisser faire finalement, à laisser le politique faire. C'est le moment où le féminisme d'État aussi prend une toute autre dimension, même si ça commence en France de manière pionnière d'ailleurs, en 1974, avec la nomination de François Giroud à un secrétariat d'État à la condition féminine. Donc à partir de ce moment-là, on peut commencer à parler de féminisme d'État. On pourrait même remonter au comité du travail féminin dans les années antérieures, hein, à travers les politiques du travail féminin. Là, il y avait déjà des choses qui se constituent au niveau étatique et au niveau européen aussi. Mais ça va se développer avec Yvette Roudy, qui va quand même soutenir les associations, les financer, subventionner. Donc il commence à y avoir un double jeu, en fait, les associations, l'État et des associations qui reposent de plus en plus sur les aides des collectivités de l'État à partir des années 81 et des associations qui ont besoin de financement parce qu'elles ont des salariés. Donc on a aussi le développement d'une sorte de féminisme professionnel hein, à travers les salariés du planning ou d'autres associations. Dans les années 80, même si en France il y a encore des conquêtes jusqu'à nos jours, hein, il y a des lois qui sont votées et encore des lois qui ne sont pas toujours bien appliquées, en particulier sur le travail. Mais on peut parler d'un reflux du militantisme de manière générale dans les années 80. C'est vrai aussi pour le féminisme, mais il y a une recomposition, il y a un élan qui continue. Par exemple, pour tout ce qui concerne les lesbiennes, il y a un temps de retard. C'est vraiment dans les années 80 qu'un mouvement lesbien féministe va se développer en France. Et donc c'est une période un peu, alors quand même de backlash si on prend les médias, l'antiféminisme qui se développe, avec l'idée que c'est bon, maintenant on met carrément en péril les hommes, l'identité masculine si on continue comme ça. Et il y a cette métaphore de la débandade masculine, hein, qui revient beaucoup dans les années 80, crise de la masculinité, crise dans l'hétérosexualité, tout ce discours de crise qui en fait vise simplement à dire c'est bon, le féminisme est déjà allé assez loin, hein, on va faire une pause, voire on pourrait revenir un petit peu en arrière. Hein, par exemple, dans les années 80 apparaissent les associations de pères divorcés. La contestation du fait que l'IVG est décidée uniquement par la femme, que la contraception désormais est aussi une affaire de femme. Alors avec le sida, le préservatif, c'est vrai, va revenir un peu comme contraception aussi. Enfin,
avec un double intérêt, mais aussi l'intérêt de la contraception. Mais voilà, donc on a un mouvement anti qui commence à surgir, à ressurgir dans les années 80. Alors ça, c'est justement l'objet du livre que j'ai co-dirigé, qui vient de sortir là, il y a une semaine, Antiféminisme et masculinisme d'hier et d'aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'on ne peut pas étudier l'histoire du féminisme sans prendre en compte les réactions antiféministes qu'il provoque, parce que l'antiféminisme, à certains moments, prend le dessus, devient le discours dominant et discrédite, disqualifie complètement les féministes. Et réactive, voilà, les vieux discours sur les féministes sont elles sont moches, ce sont des célibataires aigries, elles sont misandres, on parlait tout à l'heure du mot misandre, elles sont animées par la haine des hommes, par voilà, tous ces clichés sur l'antiféminisme qui sont très anciens, hein, qui sont déjà omniprésents au XIXe siècle et qu'on retrouve quasiment à la virgule près aujourd'hui. Et c'est ça, vous pensez qu'il peut y avoir, par exemple, un retour de bâton aujourd'hui à tout Complètement, dans le monde, en France aussi. Alors, avec des rhétoriques antiféministes déjà bien connues, mais aussi des arguments plus nouveaux, des discours, tout un imaginaire aussi, parce que derrière ce discours politique antiféministe, il y a aussi tout un imaginaire, alors parfois nostalgique ou complètement délirant, hein, puisque le credo des masculinistes, c'est que désormais les femmes dominent la société française ou d'autres sociétés nord-américaines, et que les hommes sont les vraies victimes d'une domination donc exercée par les femmes. Donc le masculinisme prétend être un mouvement d'égalité, mais défendant les droits des hommes. Donc c'est une tentative pour créer de la symétrie absolument pour tout. Quand les féministes parlent des violences faites aux femmes, les masculinistes disent « oui, mais il y a les violences faites aux hommes ». Voilà, c'est le désir de symétriser. Et le terme masculiniste est assez habile, parce que dans antiféminisme, on entend « anti », donc l'opposition à un mouvement d'émancipation. Tandis que dans masculinisme, on a vraiment un courant qui se pose comme l'équivalent du féminisme pour les hommes, pour défendre la liberté, l'égalité, la dignité des hommes bafouée par le mouvement féministe. Et ça marche assez bien. Et donc il y a des nouveautés à analyser, hein, et notamment les incels, hein, les célibataires involontaires, qui tuent des femmes aux États-Unis, au Canada, il y a eu plusieurs meurtres, plusieurs tueries, au nom du fait que des femmes osent éconduire sexuellement, les meurtriers, sur le plan sexuel. Donc il y a les incels à prendre en compte dans le nouveau paysage. Et puis, oui, ce recours à la violence terroriste, c'est quand même nouveau dans l'histoire de l'antiféminisme. Anders Breivik, hein, qui a tué 77 personnes il y a quelques années, a écrit un très très long texte dans lequel il y a des dizaines de pages sur la nécessité de restaurer la suprématie blanche, mais aussi la domination masculine. Il est très bien renseigné sur les études de genre. Donc, ça fait partie aujourd'hui des cibles, ce que je fais, ce que nous faisons avec ces études. Hein, C'est quelque chose qui est aussi dans le viseur des antiféministes, qui ne supportent pas que l'on dévoile la domination masculine. À propos de régression, domination masculine, merci Bourdieu quand même, hein, même si beaucoup de féministes avaient émis des analyses très proches, Bourdieu, avec son livre « La domination masculine », nous a permis de parler beaucoup plus facilement de la domination masculine. Au moment où le livre de Bourdieu sort, quand on dit domination masculine, on a l'impression de dire quelque chose d'énorme, quelque chose qui n'a pas été dit d'une manière aussi franche. Enfin, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, on peut parler de genre, on peut parler de domination masculine sans avoir forcément une...
ce genre de réaction qui vise à nous faire euphémiser les choses, là, ça a progressé. Je pense que ça progresse beaucoup, et c'est justement parce que ça progresse beaucoup que le mouvement en face, il est très violent et très agressif et soutenu, je dirais, en France, par une forte... par une minorité, mais une minorité très, très décidée. Voilà, pour le coup, qu'on peut qualifier de réactionnaire. Oui, ben oui, réactionnaire, le retour en arrière, l'idée contre-révolutionnaire, vraiment. Alors, contre-révolutionnaire, parce que l'antiféminisme se rattache à cette pensée contre-révolutionnaire, anti-égalitaire, anti-démocratique, anti-intellectuelle. Voilà, c'est vraiment dans le corpus de base de ce courant. Alors, on a l'impression qu'en France, on a des représentants moins agressifs ou moins décomplexés, peut-être qu'en Espagne avec le mouvement Vox, le mouvement 5 étoiles en Italie, ces mouvements réactionnaires. Antiféministes, ils sont en tout cas politiquement moins incarnés en France. Vous êtes d'accord avec ça ou... Oui, mais alors c'est entre autres lié au processus de dédiabolisation du Front National et au fait que le Front National, pour gagner des voix, et aussi parce qu'il est dirigé par une femme, ça a pris une tournure un petit peu différente avec l'extrême droite. Français, ça doit jouer un rôle, mais la manif pour tous était quand même pas mal, et elle était sur la ligne du Vatican, qui associe féminisme, lutte LGBT et opposition à la soi-disant théorie du genre, hein, qui est un épouvantail créé de toutes pièces, dans lequel on met tout et n'importe quoi, les études de genre, la transidentité, voulez-vous que votre garçon devienne une fille, dès l'école maternelle, et que des médecins juifs leur apprennent à se masturber avec des sex toys. Le délire total. Le problème, c'est qu'on est dans une époque où, avec les réseaux sociaux et Internet, les thèses les plus délirantes peuvent être propagées et toucher une minorité significative, hein, et qui peut avoir des passages à l'acte violents. Donc on est quand même dans une situation un peu inquiétante. La France va très bien, on est dans beaucoup de déséquilibres de toutes sortes, donc on n'est pas du tout à l'abri. Enfin, Hitler, dans les années 20, il était vu comme un histrion totalement marginal. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, encore en 1931 ou 32, la victoire d'Hitler en 1933 et tout ce qui a suivi? Non. Pour moi, être historienne, c'est appeler à la vigilance et toujours rappeler ce qui s'est passé dans les années 30. Et un des ressorts du succès d'Hitler et du nazisme, ça a été quand même la restauration de la virilité et de la suprématie masculine menacée par les succès du féminisme et déjà l'idée que le féminisme avait gagné la partie. On retrouve dans... Et même déjà à la fin du 19e siècle, on trouve chez les féministes cette affirmation que le féminisme a déjà tout gagné. Si on reste un peu sur le pays, la France, est-ce que vous avez un jugement sur le féminisme d'État, comme vous l'avez appelé, de notre président actuel? Est-ce que Mme Schiappa peut être demain dans une édition nouvelle du dictionnaire des féministes? Oui, elle le sera. De fait, parce que ses fonctions et ses discours lui donnent automatiquement une place. En plus, c'est une sorte d'hyper secrétaire d'État. Alors, je rappelle quand même qu'elle n'est pas ministre. C'est un engagement qui n'a pas été tenu. Elle n'est que secrétaire d'État. Et elle a l'air de compenser par une survisibilité médiatique étonnante. Qui m'étonne. Alors, je trouve qu'elle est vraiment dans la logique de ce qui se passe en ce moment avec ce gouvernement et les grandes recompositions qui ont lieu. Marlène Schiappa, elle n'a pas de très bonnes relations avec les associations féministes. Les associations féministes ne sont pas
écoutée par elle. Il n'y a pas un véritable dialogue. Elle cherche, comme Emmanuel Macron cherche à le faire avec le peuple ou la population, elle cherche à créer une relation directe avec tout un chacun et avec l'opinion. Et pour cela, elle utilise beaucoup les tweets ou les réunions publiques sans la médiation. C'est ce qu'on voit avec les corps intermédiaires. Les syndicats se plaignent d'un manque de dialogue, les associations, mais c'est aussi vrai du côté des féministes qui se sentent court-circuitées par une volonté de communication, à vrai dire, parce que c'est pas réciproque, de communication directe avec l'ensemble de la population. Et on le voit d'ailleurs avec l'idée de créer une gay pride en Corse, alors que bon, c'est plutôt le travail des associations LGBT qui pourraient être encouragées à le faire. Est-ce que c'est son travail à elle? Et donc elle est souvent, d'un côté elle tient le discours du pouvoir exécutif, et de l'autre elle a aussi le discours, elle adopte le discours du féminisme contestataire, pour se situer un petit peu sur tous les plans et essayer de gagner, à mon avis, aussi sur tous les plans. C'est tout à fait conforme, je trouve, à l'esprit du temps et du gouvernement. Avant de passer aux questions de la salle, peut-être une dernière évocation, vous en avez parlé très rapidement. Gisèle Halimi, c'est quand même une figure colossale. Ah ben oui, parce que vraiment, il y a avec elle la lutte contre la torture en Algérie, le procès de Djamila Boupacha, il y a l'avortement, il y a le procès du viol à Aix-en-Provence. Grâce à ce procès très médiatisé, la loi de 1980 sur le viol va permettre de redéfinir plus clairement le viol et de le juger en cour d'assises et pas en correctionnel. Donc elle a joué vraiment un très très grand rôle. Maintenant, avec une stratégie et une association qu'elle avait créée, choisir la cause des femmes, qui pouvait être contestée par des militantes du MLF plus radicales. Ça, il y a toujours eu. Le féminisme, c'est une cause tellement vaste qu'il y ait entre féministes des divergences sur la tactique, la stratégie, les objectifs principaux. Ça paraît inévitable. C'est même plutôt sain, non? Oui, mais c'est sain aussi de savoir créer, quand il le faut, de l'unité, des convergences de lutte, et de ne pas être dévoré par des luttes sororicides. Et en France, il y a quand même cette caractéristique. Alors, c'est parce que le féminisme français était à l'image de la culture française, avec des courants très radicaux, très affirmés, avec une conflictualité politique et une violence dans le discours politique, et un manque de pragmatisme aussi politique, qui est typiquement français. Et donc ces caractéristiques-là, on les retrouve dans le féminisme. Pas mal de verbes, pas mal de violences, d'affrontements, les féministes françaises ont beaucoup à apprendre, je trouve, des féministes dans d'autres pays qui ont avancé différemment, de manière beaucoup plus pragmatique. Alors, on va prendre des questions de la salle. Qui souhaite poser la première question? Levez la main, il y a évidemment des questions. Non, il n'y a pas de questions. Si, allez, devant, monsieur Barbara. Moi, c'est un homme, une femme pour les questions anonymes. Hein. Mais bon, je veux bien prendre une première question avec monsieur, mais j'ai l'impression d'avoir été très interrogée par les messieurs jusqu'à c'est présent. Vrai. Parlez plus fort, non. Vous venez de citer Gisèle Halimi, mais vous dites qu'elle était contre la torture et contre Boupacha. Alors, je vais vous dire, je viens de lire ce document qui est édité par Le Monde sur Simone de Beauvoir. Je l'ai bien lu.
Et ça concerne beaucoup l'Algérie aussi. Et Germaine Tillé n'est pas citée. Et justement, pourquoi n'est-elle pas citée? Je parle en mon nom et en le nom de l'association Germaine Tillon que je représente ici. Pourquoi n'est pas citée? Parce que on ne dit jamais que Simone de Beauvoir a traité Germaine Tillon de saloperie. Parce qu'elle avait fait cesser les attentats contre les civils. Et ça, c'est très grave. Parce que, comme si Germaine Tillon, que des omissions et des mensonges, c'est très grave pour la mémoire historique. Pourquoi on ne dit pas ça? Est-ce que dans le dictionnaire, il y a une rubrique Germaine Tillon? Non. C'est un dictionnaire des féministes. Nous avons le plus grand respect pour Germaine Tillon. D'ailleurs, la maison de la recherche à l'université d'Angers, que j'ai dirigée pendant 9 années, s'appelle la maison de la recherche Germaine Tillon. Notre amphithéâtre s'appelle Germaine Tillon. C'est vous dire si je suis attachée à Germaine Tillon. J'enseigne Germaine Tillon, son livre sur Ravensbrück. Vraiment, c'est... Mais c'est pas le dictionnaire de toutes les grandes femmes qui ont apporté à la connaissance sur la commune. Femme. Elle a apporté sur la femme. Oui, bien sûr. Mais ce n'était pas son sujet principal. Mais écoutez, justement, c'est son sujet. Dans le poste méditerranéen, elle explique la soumission de la femme. Oui, oui, oui. Alors, et ça, c'est très important. Et actuellement, en Algérie, on se réclame, les femmes se réclament de Germaine Tillon. Alors, écoutez, elle est citée dans notre article sur la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, mais... oui. Écoutez, bon, de toute façon, à chaque fois que je parle du dictionnaire, généralement, c'est pour qu'on dise comment il n'y a pas... Elle a dirigé l'association contre l'esclavage. C'est pas féministe, ça. Et elle a créé l'enseignement dans les prisons. Elle a créé les centres sociaux en Algérie. Je le sais. Tout ça, c'est pas féministe. Mais elle n'est pas féministe en soi, non? Non, mais non. En tant que personne, non. Parce que là, il y a peut-être à revoir la question. Maintenant, je vous pose une autre question. Est-ce que vous êtes préoccupé par le féminisme islamique? Malika Hamidi. Alors, il y a une notice féminisme islamique. Tout ça, oui. C'est Tarek Ramadan qui dirigeait cela. Je n'ai pas envie de rentrer dans une polémique là-dessus. Il y a un article, en tout cas, sur le féminisme islamique et sur des féministes musulmanes qui ont différents rapports à l'islam. Comme je le disais tout à l'heure, ça va dans deux sens. Il ne s'agit pas de prendre position dans un dictionnaire, c'est montrer la variété des féministes et aussi de ne pas censurer de dire qu'il y a aussi de l'islamophobie dans les prises de position récentes de certaines féministes. On a dit que c'était autour d'une dame, il y en a une dame. Ok. Là-bas et puis après, madame. Alors moi, je voulais d'abord vous remercier parce que le travail en lui-même paraît absolument essentiel. Et vous, en plus, vous avez l'honnêteté de dire que vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde, vous n'avez pas souhaité répondre à toutes les... ce n'est pas un dictionnaire des femmes célèbres, c'est pas un dictionnaire des... vous avez été très clair dans la présentation, très honnête en fait, sur les choix que vous avez dû faire. Pas simple, difficile, avec des débats entre vous. Moi, j'apprécie beaucoup la démarche, donc merci. Effectivement, c'est un premier, mais en même temps, à mon sens, il va servir de référence pour continuer le travail. Je voulais savoir si vous avez eu la curiosité de voir s'il y avait d'autres initiatives identiques en Europe, dans d'autres pays, parce qu'il y a eu des mouvements féministes aussi, pas que en France.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui peuvent, du coup, voilà, créer des passerelles, des rencontres qui pourraient être intéressantes et enrichissantes? Et puis, moi, j'avoue que c'est vrai que je voulais savoir aussi comment le livre abordait cette nouvelle polémique sur le féminisme dans la religion musulmane, puisque certaines associations revendiquent, et j'avoue que je ne sais pas du tout comment analyser ou positionner par rapport à ça, revendiquent le fait qu'on puisse être aujourd'hui féministe et voilée. Donc je voulais savoir si vous abordez la question dans le dictionnaire. Alors oui, il y a des dictionnaires dans d'autres langues, sur d'autres, voilà, sur d'autres pays. Certains sont déjà un petit peu anciens, donc on les a regardés. Je les mentionne dans l'introduction du dictionnaire. Il n'y en a pas tant que ça quand même, parce que c'est vraiment, c'est, encore une fois, c'est difficile de faire un dictionnaire. C'est très exigeant, c'est très chronophage, on s'expose à beaucoup de critiques parce qu'il faut faire une sélection. Bon, en tout cas, monsieur, je retiens votre interpellation et je pense qu'on pourra rediscuter effectivement de Germaine Tillon, puisque le dictionnaire restait ouvert, hein, à des personnes qui sont peut-être tangentes et dont le féminisme peut être discuté, voilà, dont l'engagement principal n'est pas le féminisme, mais qui ont compté quand même dans l'histoire du féminisme. Par exemple, pour les hommes, on n'en a pas trop parlé, mais voilà, il y a Léon Blum dans le dictionnaire, il n'est pas avant tout féministe, mais il a écrit un livre du mariage en 1907 qui a beaucoup interpellé, fait scandale, et donc on a choisi... De mettre Léon Blum dans le dictionnaire, enfin bref. Voilà, il y aura des rattrapages peut-être, des ajustements dans la prochaine édition. Alors, sur le voile, j'espère que le dictionnaire montre qu'il y a une pluralité de prises de position sur cette question-là, et oui, on peut être féministe et porter le voile. Le féminisme islamique, ça existe. Ça dérange profondément une partie des féministes. Mais c'est ainsi. Je crois que ça pose moins de problèmes aux jeunes, en fait, aux jeunes féministes. Pour les féministes plus âgées, c'est très très conflictuel, et je suis d'ailleurs surprise, hein, de voir comment une partie des féministes a en quelque sorte détourné le qualificatif d'universaliste pour désigner les féministes s'oppose à ce féminisme musulman et au féminisme dit intersectionnel, dans lequel elle voit quelque chose d'identitaire, d'anti-laïque, d'anti-républicain, d'anti-universaliste. Donc c'est très chaud comme question. Et en tant qu'historienne, et j'ai une autre casquette qui est celle de présidente de l'association Archives du Féminisme, je m'efforce de collecter avec les amis qui travaillent dans l'association. On veut préserver les sources sur l'histoire du féminisme, quelles qu'elles soient, de tous les courants. Et donc, j'évite de... Comment dire, je n'en pense pas moins. Mais je ne m'engage pas sur ce terrain-là, où je m'engage à ma manière d'historienne en disant oui, le féminisme islamique, ça existe, oui, des femmes féministes portent le voile, comme Anad Karimi, qui a été interviewée, elle a participé à la table ronde dans le livre sur l'antiféminisme. Ça aussi, c'est un message que je suis heureuse de faire passer comme historienne. On a fait une table ronde avec une catholique, une protestante, une musulmane et une juive orthodoxe.
Et elles ont toutes les quatre témoigné sur le sexisme qu'elles rencontraient et l'antiféminisme qu'elles rencontraient dans leur religion réciproque. Annette Karimi parlait de l'association Femmes dans la mosquée. Donc c'est un féminisme qui concerne des pratiquantes qui ont été choquées par l'attitude de la mosquée de Paris qui a parqué les femmes dans une salle complètement périphérique de la mosquée, dans le sous-sol. Et donc les femmes musulmanes fréquentant la mosquée se sont organisées, ont mené vraiment un combat à ce moment-là. Donc voilà un exemple de féminisme musulman. Elles réagissent à de l'antiféminisme et elles se qualifient de féministes, donc je ne vois pas moi de quel droit je dirais que ce n'est pas féministe. Et c'est la même chose pour les catholiques du comité de la jupe qui critiquent le sexisme de l'Église catholique. Alors c'est vrai que la matrice du féminisme républicain de gauche, c'est un courant laïque, libre penseur, et c'est un socle de pensée important. Beaucoup de féministes se reconnaissent dans ce courant-là, mais la laïcité, c'est pas. Enfin, il y a diverses, en tout cas, interprétations de la laïcité. Et, voilà, les féministes qui se disent laïques, hein, on trouve de plus en plus ce qualificatif féministe laïque. Elles n'ont pas le monopole de la laïcité. Il y a différentes interprétations féministes de la laïcité. Alors il y a une partie de ma question qui rejoint celle de la personne précédente par rapport à. Enfin, je conçois et j'admire l'ampleur du travail, mais. Quelque part, surtout quand on parle du XVIIIe siècle, on aurait envie d'avoir quand même une mise en perspective européenne, en quoi c'est différent. Est-ce qu'il y a des moments où les féministes françaises ont été vraiment sur la même longueur d'onde ou avec un décalage? Ça, c'était une première question. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir cette mise en perspective? Et qu'est-ce qui caractérise plus particulièrement les Françaises, à part ce que vous avez dit tout à l'heure le sectarisme quelque part politique. Et puis ma deuxième question, c'est tout simplement que je sais pas ce que c'est féminisme intersectoriel. Vous pourriez le préciser, s'il vous plaît. Alors ça fait beaucoup de questions sur le XVIIIe siècle. Enfin. Ce dictionnaire, il est intéressant pour avoir des définitions, des synthèses sur les notions et découvrir plein de figures du féminisme. Si vous voulez approfondir, il y a plein de livres sur l'histoire du féminisme. Par exemple, Karen Hoffen, dans son livre sur l'histoire du féminisme européen. Donc là, vous aurez des réponses. Un dictionnaire n'a pas à se substituer à des tas d'ouvrages qui vont rentrer davantage dans une analyse en plus européenne, si c'est ce que vous cherchez. Alors, le féminisme intersectionnel. Oui, et puis les caractéristiques de la France, c'est toujours difficile de répondre en deux mots. C'est comme si au XIXe siècle, il y avait une certaine avance du féminisme français. Par exemple, Georges Sand, elle est incroyablement connue, elle incarne le féminisme au XIXe siècle dans le monde. Et à partir de la fin du XIXe siècle, la France prend une place secondaire vraiment dans le féminisme mondial, vraiment qui est animé à partir de l'Angleterre et des États-Unis. Hein, le Conseil international des femmes, il est créé à Washington en 1888, et la France ne le rejoint qu'en 1901. Donc vous voyez quand même ce décalage dans le temps, 1888-1901. Et c'est vrai pour toutes les grandes associations internationales. La France n'a pas un rôle pionnier. D'ailleurs, le féminisme est souvent présenté comme un mouvement protestants ou anglo-saxons, ce qui ne veut pas dire grand-chose.
mais en tout cas, il est nettement plus développé sur le plan militant, plus actif en Angleterre, aux États-Unis, où les femmes vont voter beaucoup plus tôt qu'en France. Hein. Donc c'est quand même un paradoxe, bon, tout le monde le sait ici, hein, bien sûr, la date très tardive de l'accès des Françaises à la citoyenneté en 1944, dans un pays qui se targue d'être le pays des droits de l'homme, et où la gauche elle-même, cette gauche dont on s'interroge sur les rapports avec le féminisme, la gauche elle-même a freiné. Hein, Léon Blum a eu peur, le parti radical, au nom de la laïcité, a eu peur du vote des femmes. Donc c'est pas seulement les conservateurs qui ont bloqué toutes ces réformes-là. La réforme du Code civil, oui, c'est les conservateurs, c'est les catholiques qui pèsent beaucoup en France. Hein. Malgré la séparation de l'Église et de l'État, l'influence des catholiques dans les politiques menées en France, c'est vraiment pas du tout négligeable. Mais pour la citoyenneté, vraiment, la gauche a une responsabilité immense pour la France. Donc, je dirais un certain retard, si on fait une chronologie, un certain retard de la France pour ce qui concerne le féminisme, mais peut-être un contraste, parce que jusqu'à présent on a parlé beaucoup de politique, mais le féminisme, il existe aussi à travers la culture, à travers la littérature. Et là, bon, la France n'en a pas du tout le monopole, mais la France a été un pays producteur, si j'ose dire, d'artistes, de femmes de lettres, de cinéastes, féministes, même si voilà, c'était pas toujours évident d'assumer l'étiquette féministe en tant que créatrice, et qu'elles avaient toujours peur d'être cantonnées à une expression artistique féminine, féministe, puisqu'on est souvent ainsi égal, hein, entre féminin et féministe. Donc, c'est la France, elle est souvent piégée, en fait, par cette image un peu trop idéalisée d'elle-même, hein, d'un pays qui serait voilà, l'héritier des salons, de la mixité du XVIIIe siècle, un pays où les relations entre les hommes et les femmes sont particulièrement douces et bienveillantes, voilà, l'amour courtois, enfin, toute une mythologie. Qui a fait prendre du retard à la France et qui a rendu difficile la dénonciation des violences sexuelles, par exemple. Et MeToo, vous aurez observé que c'est voilà, une déferlante qui vient des États-Unis. On aurait pu imaginer, à partir de l'affaire Strauss-Kahn, un départ depuis la France d'une vague mondiale de dénonciation des violences sexuelles. Ça ne s'est absolument pas produit. Et Strauss-Kahn a été protégée, et protégée aussi par beaucoup de femmes, y compris parfois des femmes qui se disent féministes. Voilà, donc y a quand même une idéalisation qui n'a pas lieu d'être des relations entre les hommes et les femmes en France. Je trouve un mythe français qu'il faut désactiver. Et ça se voit, une de ces dimensions qui m'intéresse beaucoup, c'est les marques vestimentaires du genre, cette idéal de la française élégante, cette idéal de féminité qui est très fort en France, qui est beaucoup moins pesant dans d'autres pays, et qui au quotidien marque encore la vie des femmes en France, dans les efforts que les Françaises vont faire pour s'habiller, s'épiler, correspondre à un certain idéal de féminité voilà, qu'on ne retrouve pas aussi fort dans d'autres pays où les femmes s'autorisent à être beaucoup plus libres et plus cool avec toutes ces contraintes-là. Ça, c'était la deuxième question. Et le féminisme intersectionnel. Alors, il y a des batailles sur la définition de ce que c'est le féminisme intersectionnel, mais c'est aussi quelque chose qui vient des États-Unis et que nous ont appris les chercheuses et les militantes du Black Feminism, donc dès les années 70, mais ça va être formulé encore mieux par la suite avec le concept d'intersectionnalité, qui renvoie à l'imbrication des rapports de domination.
que la double, la triple, quadruple discrimination. Et l'idée qu'on ne peut pas isoler, c'est pas seulement que, par exemple, une femme noire est femme et noire, c'est que son genre va être complètement déterminé par le fait qu'elle est noire et vice-versa. Et donc c'est vraiment une imbrication et une interpellation au féminisme blanc occidental qui a soutenu le colonialisme dans sa grande majorité, hein, les Gisèle Halimi, les Germaine Tillion, elles étaient rares. Et c'est donc une interpellation au féminisme blanc occidental en disant, mais est-ce que, où est le sujet de votre féminisme? Est-ce que ce sont seulement les femmes blanches privilégiées? Ou est-ce que ce sont aussi les nounous noirs qui s'occupent de vos enfants? Quelle place le féminisme fait-il à la mémoire postcoloniale, à ses déchirures, à ses traumatismes? Voilà, donc ça soulève de multiples questions, beaucoup de questions économiques sur la surexploitation, bien sûr, des femmes racisées, sur l'hypersexualisation aussi des femmes racisées, quand on regarde les sites porno, c'est tout à fait évident. Hein, voilà, donc ça renvoie à ça, et donc ça a donné naissance à un féminisme, à des féminismes même qui se disent intersectionnels, et qui, pour le moment, disent que l'heure, pour le moment, est à une certaine non-mixité des victimes de cette domination intersectionnelle. Ce qui n'exclut pas des alliances, mais il y a eu beaucoup de polémiques en France autour de Moissy, ce groupe afro-féministe qui a organisé un festival non mixte à plusieurs niveaux, mais y compris de non-mixité sexuelle et raciale. Ça a été tout de suite dénoncé en fait par un site d'extrême droite qui a été repris par Anne Hidalgo et d'autres pour dire que c'était une initiative sexiste et raciste, alors que c'est strictement l'inverse, si l'on admet le fait que les personnes concernées ont besoin de se retrouver, d'échanger entre elles, comme l'ont toujours fait les féministes dans des groupes de conscience qui ont été le béaba du mouvement de libération des femmes. Si on pense à la libération de la parole sur le viol, qu'on connaît aujourd'hui, elle a été préparée de longue date, y compris et au tout début, hein, par les groupes de conscience des années 70, où des femmes entre elles, parce qu'elles étaient entre elles et en dehors de la présence des hommes, ont pu parler du viol, du harcèlement, de l'inceste, de la banalité de ces violences-là, ça aurait été impossible en mixité. Eh bien, les blessures que font aux personnes le racisme et le sexisme mêlés, eh bien, elles ont aussi besoin d'être dites entre personnes concernées. Et c'est juste ça, Moissy. Donc après, quelle exploitation on en fait pour combattre ces mouvements-là et les décrier avec des qualificatifs divers et variés, ça devrait nous interroger un peu plus. Surtout quand on voit d'où ça vient. Ça vient d'un site d'extrême droite, quand même. Y a-t-il une autre question? Oui, là-bas. Peut-être que ce sera la dernière, d'ailleurs. Oui, j'ai cru comprendre que certaines associations féministes ou mouvements féministes défendaient maintenant la prostitution. Je voudrais savoir quel est votre point de vue d'historienne ou de citoyenne, simplement, parce que a priori, c'est une... Vous connaissez le problème, j'imagine, à Angers comme à Nantes. Hein, c'est une position qui peut surprendre. Oui, ben on aborde cette question-là dans le dictionnaire, effectivement, à travers plusieurs articles, parce que la position historique des féministes, ça a été l'abolitionnisme, donc la suppression des réglementations municipales qui voulaient ordonner, mettre de l'ordre hein, dans la prostitution. Et comme la prostitution était vue dans ces milieux comme un esclavage et une traite, donc on reprend les mots, hein,
des mots qui ont déjà une charge symbolique très forte. Voilà, donc majoritairement, enfin même exclusivement, à part Madeleine Pelletier peut-être un petit peu, un mouvement qui rejoint le grand courant de la Fédération abolitionniste internationale, hein, créée en 1875, qui est un courant aussi qui est assez religieux, hein, avec beaucoup de protestants, de catholiques, et une certaine conception d'un ordre moral, enfin d'un idéal de, voilà, de pureté sexuelle quand même. C'est quelque chose de présent dans ce mouvement. Alors, ça commence à changer dans les années 70. En 1975, il y a l'occupation de l'église Saint-Lizier par des prostituées. Les prostituées, enfin pas les prostituées, mais des prostituées prennent la parole. Et on change un peu d'époque. Après 68, on a moins ce discours en surplomb sur toute chose, mais y compris sur la prostitution, discours d'experts, de militantes expertes de la prostitution. Et on va davantage s'intéresser au point de vue subjectif de celles et ceux qui vivent la prostitution et qui commencent à assumer d'écrire des récits autobiographiques qui sont publiés. On est en plus dans les années 70 en pleine révolution sexuelle, donc le statut de la sexualité commence à changer. Il y a une grande déculpabilisation autour du sexe et du recours au sexe tarifé. Et donc à ce moment-là, eh ben, une partie des féministes quitte s'écarte de ce discours abolitionniste en envisageant des droits pour les prostituées et des droits sociaux et en étant plutôt du côté des prostituées en dehors de tout jugement moral. Ça c'est plutôt le discours sur les prostituées en France, parce que si on prend l'analyse de la prostitution au niveau mondial, il y a quand même beaucoup de dénonciations de la part des féministes du tourisme sexuel, de la traite des femmes, enfin de l'exploitation de la prostitution. Mais il commence à y avoir voilà, deux discours, et puis donc il y a un néo-réglementarisme qui peut avoir une coloration féministe, qui commence à se dessiner dans les années 70, et puis carrément un nouveau courant, qui est le prohibitionnisme, c'est-à-dire la pénalisation du client, qui est maintenant la loi en France, mais qui n'est pas consensuelle chez les féministes. Il y a vraiment une partie des féministes qui s'oppose à cette loi, hein, en disant qu'elle précarise et fragilise les prostituées et le planning. Et au début, c'était peut-être un discours féministe un peu marginal, mais désormais, même le planning familial estime qu'il y a des choses à revoir avec cette loi. Voilà, donc une pluralité de positions chez les féministes, c'est une des lignes de fracture. Et dès qu'on énonce les mots, en fait, on voit déjà dans quel camp on se situe, selon qu'on parle de prostitution ou de travail du sexe. Mais c'est assez frappant de voir qu'il y a un syndicat du travail du sexe, il y a des associations qui sont voilà, du côté des prostituées ou des travailleuses et travailleurs du sexe et qui ont un discours féministe qui parle de putophobie, qui parle du stigmate qui n'a pas lieu d'être. Autour de la prostitution qui interroge voilà, pourquoi ça devrait être forcément sale, déshonorant comme activité, qui vont au contraire, alors ça c'est plutôt certaines féministes américaines montrer ou une prostituée comme Griselda Disreal montrer une facette de la prostitution tout à fait différente, la prostitution comme un humanisme, comme une facette d'un ars erotica
qui manque à la civilisation, à notre civilisation. Alors, évidemment, c'est pris dans des rapports marchands, dans de l'exploitation, dans de la pauvreté, dans des violences, etc., etc. Mais il y a quand même, je trouve, dans ce discours, qu'il s'agisse des droits sociaux ou de comment pourrait être une prostitution choisie, des choses qui peuvent être, voilà, en tout cas intéressantes, en tout cas à faire connaître, en tout cas s'identifiant comme féministe. Donc on a du féminisme totalement opposé sur ces questions-là, et c'est la même chose sur le voile et sur pas mal de questions très clivantes. Merci Christine Barre. Cet échange autour du dictionnaire des féministes, alors dictionnaire qui est en vente auprès d'Hélène. Vous trouverez aussi le numéro 69 de la revue avec la vie quotidienne des travailleurs détachés à Saint-Nazaire. Je signale aussi le numéro 58 qui est un numéro qui date de la mi-2016, où il y avait un intéressant article d'un historien qui est dans la salle sur les noms des rues à Nantes, chercher les femmes. Et je me souviens que dans cet article, il était question que les noms féminins attribués aux rues, tout récemment, étaient surtout des impasses, des venelles, des ruelles, des petites cours ou des ronds-points. Voilà, ce numéro est aussi en vente auprès d'Hélène. Merci et bonne soirée.